Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était un arbre binaire de recherche, que j'ai abrévié ABR, et comment y insérer des éléments et comment le parcourir par ordre croissant ou décroissant. Dans ceci, nous allons voir comment supprimer des éléments, et nous le voyons en barre parce que c'est sensiblement plus compliqué que de les insérer. Alors la première chose à faire avant de pouvoir supprimer des éléments, c'est de considérer la recherche du minimum. Alors, chercher le plus petit élément, donc celui qui est de clé la plus petite dans un arbre binaire de recherche, c'est assez facile, parce que la condition d'arbre binaire de recherche nous dit que si elle est plus petite, elle est forcément à gauche de la racine. Et puis, si elle est plus... Donc, on va dans le sous-arbre gauche, et puis elle est forcément à gauche de la racine du sous-arbre, etc. Jusqu'à ce qu'on finisse par trouver un sous-arbre dont la racine n'a pas d'enfant gauche. Et quand la racine n'a pas d'enfant gauche, ça veut dire que la racine est bien elle-même le plus petit élément. Et donc, si on cherche ici le minimum, eh bien, on va chercher à gauche de 8, à gauche de 4. Et puis, on voit qu'à gauche de 1, il n'y a rien. Et donc, on a trouvé 1 est bien le minimum, donc l'élément de clé minimale dans cet arbre binaire de recherche. Donc, cette recherche, on peut la faire récursivement ou itérativement. Dans les deux cas, c'est très simple à écrire. Donc, on cherche à gauche, à gauche, à gauche, jusqu'à ce qu'on tombe sur un élément vide. Une fois qu'on sait chercher un minimum, l'étape suivante, ça consiste à le supprimer. Alors, pour supprimer un minimum, donc ici, on voudrait supprimer l'élément 1, et donc on voudrait se retrouver avec l'arbre à droite, qui est toujours un arbre binaire de recherche. C'est ça qui est important, c'est de garder cette structure d'arbre binaire de recherche. Mais on n'a plus le 1 présent et on a gardé toutes les autres clés. Et on veut faire ça évidemment en minimisant le nombre de changements qu'on doit faire dans notre arbre, parce qu'on voudrait faire ça de manière efficace. Alors pour le supprimer, la première étape, ça consiste à le trouver évidemment. Et une fois qu'on a le trouvé, eh bien, on va devoir ôter le nœud de l'arbre et puis garder éventuellement ses descendants. Alors on sait bien qu'il n'a pas d'enfant à gauche, mais il peut évidemment avoir des enfants à droite. C'est le cas ici. On a 2 et 3 dans le sous-arbre droite, de 1. Et donc, ce sous-arbre droit, il va falloir le rattracher. Mais quand on a un seul sous-arbre, puisqu'on n'a pas de sous-arbre gauche, c'est assez facile, il suffit de le rattacher directement aux parents du minimum. Et c'est donc ce qu'on va faire. On va rattacher 2 aux parents de 1, qui est 4. Et donc, on va effacer ensuite le nœud de la mémoire. Alors, on le fait après parce que, il faut pouvoir accéder à son enfant, et pour ça, il faut encore que cet enfant il y ait un lien vers lui, donc il faut que 1 soit encore présent. Écrire cette fonction en pseudocode n'est pas très difficile. Premièrement, notons qu'on doit recevoir la référence, la racine par référence ou une autre structure équivalente, mais quand on va supprimer le 1, il va falloir écrire dans le pointeur gauche de son parent 4. Et donc, pour pouvoir y raccrocher le 2 qui doit se raccrocher qui doit devenir le nouvel enfant gauche de 4. Et donc pour ça, il faut avoir reçu ce pointeur gauche par référence. Enfin, en tout cas, il faut une structure qui permette d'écrire dans ce pointeur gauche du parent de 1. Mais donc, notre fonction supprimeMin, alors d'abord, elle regarde si la racine n'est pas nulle. On ne peut pas supprimer le minimum d'un arbre vide. Et donc, si elle était nulle, il faudrait signaler une erreur. Sinon, on regarde si R a un enfant gauche. Alors, tant qu'il a un enfant gauche, R n'est pas le minimum. Et donc, on va faire un appel récursif à gauche. Et puis, sinon, ça veut dire que R est bien le minimum, on l'a trouvé. Et donc, ça s'écrit simplement, il faut. Alors, on stocke la valeur de l'enfant droit. Donc, le D, c'est la racine du sous-arbre droit du minimum. On efface notre nœud minimum R. Et puis, on raccroche le sous-arbre droit aux parents, et comme on a reçu R par référence, R ici, ce serait le pointeur gauche du parent de 1, donc de 4. Une fois qu'on sait écrire la suppression d'un minimum, on peut extrapoler ça et s'intéresser à la suppression d'une clé K quelconque. Donc on voudrait supprimer un des éléments ici, mais la seule chose qu'on connaît, c'est la clé. On voudrait supprimer 4 ou 10 ou 6, etc. Alors pour faire ça, la procédure sera un petit peu similaire. On va commencer par trouver le nœud de clé K. Ce sera une simple fonction de recherche, comme on l'a fait pour la recherche ou pour l'insertion. Puis, on va retirer le nœud de l'arbre qu'on doit supprimer.
on va l'effacer évidemment, mais il va falloir raccrocher évidemment ses descendants à son parent. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra effacer le nœud de la mémoire. Maintenant, raccrocher ses descendants à son parent, c'est quelque chose de compliqué. Il y a plusieurs cas. Alors, il y a des cas très simples, les feuilles par exemple. Alors, dans notre arbre d'exemple ici à droite, ça veut dire les nœuds 3, 5, 7, 10 et 12. Eh bien, comme ils n'ont pas de descendants, il n'y a rien à faire. On peut les supprimer directement. On a des cas intermédiaires, les cas où on a des nœuds de degré 1. Alors, c'était le cas du minimum 1, mais pas que lui. Le nœud 2 ici est aussi de degré 1. Pour ces nœuds-là, eh bien, on peut appliquer la même technique que pour le minimum. Et donc, on va simplement rattacher son unique descendant, enfin l'unique sous-arbre en tout cas, aux parents. Donc, on va faire comme pour le minimum. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les éléments de degré 2. Donc, ici, on a les nœuds 8, 4, 6 et 11 qui sont tous de degré 2 et donc qui ont deux sous-arbres. Et on peut évidemment pas raccrocher deux sous-arbres à la racine, c'est pas possible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans ces deux sous-arbres un élément qui pourrait servir de lien entre les deux sous-arbres. Donc, on pourrait placer à la place de l'élément qu'on va supprimer et auquel on pourrait raccrocher les deux sous-arbres. Alors, on est contraint dans cette recherche parce qu'il faut que, en allant chercher un de ces éléments dans les deux sous-arbres et qu'on le place à la place de l'élément qu'on supprime, il faut que l'arbre résultant respecte toujours la condition d'arbre binaire de recherche, donc que le sous-arbre gauche soit plus petit que la racine et que le sous-arbre droit soit plus grand que la racine. Ce qui fait qu'on a deux candidats potentiels uniquement. On a le minimum du sous-arbre droit ou bien le maximum du sous-arbre gauche. Si on prend le minimum du sous-arbre droit et qu'on le remonte, eh bien comme c'est le minimum du sous-arbre droit, il sera bien plus petit que tous les éléments qui vont rester dans le sous-arbre droit. Et le sous-arbre gauche était plus petit que la racine, donc a fortiori, il est plus petit qu'un élément qui était dans le sous-arbre droit, donc qui est encore plus grand que la racine. Donc ces deux choix-là, minimum du sous-arbre droit ou maximum du sous-arbre gauche, sont des choix qui fonctionnent. Et par ailleurs, comme on va retirer ce minimum ou ce maximum de nos sous-arbres droit ou gauche, ce ne sera pas un problème de les retirer parce que et le minimum et le maximum n'ont qu'un seul enfant. Le minimum n'a pas d'enfant gauche, le maximum n'a pas d'enfant droit. Cette technique, on la doit à Thomas Hibbard, et donc on va l'appeler la technique de Hibbard. Prenons un exemple pour voir comment cela fonctionne. Donc si on veut supprimer la clé 4, eh bien on a le choix. Donc il va falloir la supprimer et la remplacer soit par le plus grand élément du sous-arbre gauche, c'est 3, soit par le plus petit du sous-arbre droit. Alors si on choisit de remplacer par 3, va donc devoir faire monter 3 à la place de 4. Et puis comme on supprime 3 de son emplacement actuel, il va falloir raccrocher 2 à 1. Et on obtiendra donc cet arbre-là où 3 a pris la place de 4. Et puis 2 s'est raccroché aux parents de 3. L'alternative, c'est de prendre le plus petit du sous-arbre droit. Donc ici, ce serait 5. Et dans ce cas-là, on va faire monter 5. Et puis il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire puisque 5 n'a pas d'enfant, c'est une feuille. Et donc on obtient ce résultat-là. Alors les deux possibilités sont possibles. On voit donc qu'à chaque fois, on utilise l'élément juste avant ou juste après dans l'ordre défini sur tous les éléments. En pseudocode, notre fonction supprimer reçoit donc la racine R par référence, c'est la racine de l'arbre ou du sous-arbre dont elle doit supprimer l'élément de clé K. Alors le premier cas, c'est que cette racine est vide, ça veut dire que soit on a un arbre vide, soit on a cherché la clé K et on ne l'a pas trouvée. Donc K n'est pas dans l'arbre dans tous les cas. Sinon, eh bien, on a les deux cas où on n'a pas encore trouvé la bonne clé. Donc on fait une recherche avec toujours la même recherche. Si on est plus petit, on va à gauche. Si on est plus grand, on va à droite. Reste le cas le plus intéressant. On a trouvé la clé K, donc l'élément qu'on veut supprimer. Alors, on va garder un pointeur temporaire sur cet élément qu'on veut supprimer parce qu'à la fin, il faudra l'effacer. Mais avant de l'effacer, il va falloir le remplacer par autre chose. Alors, il y a les deux cas faciles. Si soit on n'a pas de sous-arbre gauche, soit on n'a pas de sous-arbre droit, eh bien, on peut raccrocher l'autre sous-arbre à la place de la racine. Ce sont les deux cas simples. Ça couvre aussi le cas d'une feuille, parce que une feuille n'a pas de sous-arbre gauche, et donc on va remplacer par le sous-arbre droit, qui est vide, mais ce n'est pas de problème.
Et puis on a le cas le plus compliqué, qui est le cas où les deux sous-arbres sont non vides. Dans ce cas-là, on applique la technique de Hubbard. Alors donc ici, j'ai choisi de prendre le minimum du sous-arbre droit. Alors j'ai écrit une fonction sortirmin ici, qui fonctionne comme effacermin, simplement, plutôt que d'effacer, elle me retourne un pointeur vers l'élément, mais donc qui n'est plus accroché au reste de l'arbre. Et donc cet élément M qui m'a renvoyé sortir min, je dois lui faire prendre la place de R dans l'arbre. Donc je copie les pointeurs gauche et droit de R dans M, et puis je place M à la place de R que j'ai reçu donc par référence. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai remplacé R par autre chose, soit par son sous-arbre droit, soit par son sous-arbre gauche, soit par le minimum du sous-arbre droit, soit par le maximum du sous-arbre gauche. Et il me reste à simplement effacer le nœud, qui était le but à l'origine. Alors pour voir si vous avez bien compris tout cela, donc, je vous propose quelques exercices. Le premier consiste à supprimer le minimum de cet arbre binaire de recherche et de dessiner l'arbre résultant. Le deuxième consiste à supprimer les clés 5 et 7 de cet arbre et de me dessiner l'arbre résultant. Alors vous noterez que 5 et 7, ce sont deux cas simples, puisque à chaque fois ce sont des nœuds de degré 1. Et finalement, je vous demande de supprimer la clé 6 de cet arbre. Et là, on a le cas le plus compliqué, puisque la clé 6 a deux enfants. Et donc, il faut appliquer la technique de Hubbard et vous avez deux choix. Je vous demande de me dessiner les arbres qui correspondent à ces deux choix. Les solutions sont évidemment disponibles dans le PDF qui est joint à cette vidéo.